Saint-Étienne Monaco dans une minute, deux minutes, le coup d'envoi de ce match, les typhons dans les copes de Geoffroy Guichard. Pour Saint-Étienne. On attend que les fumigènes se dispersent un petit peu. Concentration pour Jérémy Janot, élu meilleur gardien la saison dernière en Ligue 2. Allez, c'est parti. Elbic en retrait pour le capitaine Julien Sablé. Avec Calonne, il a le soutien de Patrice Evra, toujours Calonne. Calonne qui va peut-être chercher à centrer, donne en retrait Bernardi. Ballon en profondeur avec le bon contrôle et ensuite le retour in extremis, n'est pas fini pour Monaco. Ballon qui est donné en retrait avec Chevanton. Chevanton qui se retourne, qui frappe et qui marque. Monaco ouvre le score et Chevanton fait une entrée fracassante dans le championnat de France. Après une minute de jeu, le petit prodige uruguayen qui fait déjà parler la poudre, 1-0 pour Monaco. Une attaque fort bien orchestrée par cette équipe de Monaco. Le bon ballon de Bernardi pour Pérez. Là, on a cru que le ballon était perdu, mais Pérez le récupère. Et là, après, tout le talent, tout l'intuition de jeu de la part de Chevanton qui ne laisse aucune chance à Janot. La rapidité quand même de Pérez hein, pour se relever. Contrôle. Et ensuite, cette frappe pratiquement en se retournant de Chevanton. C'est rapide, c'est limpide, ça va vite. Il est explosif, nous a dit Didier Deschamps. Vous en avez la démonstration la plus parfaite. Et Olivier, la défense stéphanoise va faire l'apprentissage de l'élite justement avec Ilunga qui n'a pas été en mesure de contrer ce ballon et tout de suite l'efficacité, le réalisme de Chevanton, quatrième meilleur buteur d'Italie, c'est pas rien quand même la saison dernière. Il cherche Sitoni s'appuie sur Zokora. Zokora qui a un petit peu d'espace, qui a donné en profondeur pour Sitoni. Centre en retrait de Sitoni. Et ce sera une sortie de but. Luc. Frédéric Piquion. Et ça passe à côté. Quel duel que Piquion avait gagné. Mais ensuite, dans le dernier geste, l'imprécision. Ouais, mais le ballon est bon, il est un petit peu gêné par Givet Piquion, il arrive quand même à frapper le ballon sur ce bon ballon, Skilacci, oui, sur ce bon ballon à profondeur. Roma est venu pour le gêner, c'était vraiment intéressant. Sitoni, carton qui offre une solution peut-être le long de la ligne de touche. Sitoni qui garde le ballon. Sitoni, Carteron. Carteron qui tente sa chance. Il frappe un peu écrasé, mais le rebond aurait pu surprendre Flavio Roma. Bernard Caiazzo, le nouveau président de l'AS Saint-Étienne, est à ses côtés avec les lunettes à sa droite. Osvaldo Piazza et Carlos Bianchi, bien entouré, le nouveau président stéphanois. Et ils ont gagné ce tournoi. Ils ont battu justement le Borussia Mönchengladbach et le Bayern sur les mêmes scores, 1-0. Donc cette préparation à Adebayor. Et Janot qui a été rapide. Ouais, vif Janot là sur son intervention. Effectivement les gars, ce qui est à l'échauffement. Ça fait 10 minutes qu'on le voit grimacer, hein, Patrice Evra. Voilà, c'est la mi-temps. 1-0 donc pour Chevanton. Après une minute de jeu, Chevanton a frappé dans le championnat de France. Et Monaco, assez logiquement, hein, quand même, Olivier, parce qu'il y a eu de la sérénité, il n'y a pas eu d'affolement, pas de panique. Alors, Monaco qui mène donc sur un court, très court avantage. Donc, il n'est pas sorti, Diego Pérez, encore Calonne, Adebayor, elle est hors jeu de la part de Chevanton, qui va prendre un carton. Ah oui, ça c'est vrai, dit qu'il n'a pas entendu, et c'est un carton bêtement reçu de la part de Chevanton. Redonne à Julien Sablé. Redonne à Carteron. Carteron, c'est bien joué pour Sitoni, la frappe. Et la parade, la première dans ce match de Flavio Roma. Il y avait peut-être un coup à jouer avec Piquion qui était peut-être seul. On va revoir tout ça au ralenti. Là, Sitoni n'est pas en position du hors-jeu.
Ben, c'est peut-être difficile quand même, parce qu'il a les yeux axés sur le but. Sitoni, son objectif, c'est de marquer le but. Ah, on parlait tout à l'heure de la prise de risque qu'il faut tenter du côté Stéphane. On ne va pas trop reprocher à Sitoni d'avoir frappé en bonne position. Et Buick avec la déviation d'abord de Vincent Ognon et ensuite Piquionne qui rate le cadre. Elbuic, Zokora, Elbuic à la limite du hors-jeu peut-être, avec la sortie de Romain, pas de faute. Sans commettre de faute, vous voyez, il joue bien le ballon, il n'y a pas de problème. Alors que je pense que si jamais Sitoni passe, Romain lui est en difficulté parce qu'il est déjà au sol. Et ça aussi qui est intéressant, dans l'animation du jeu monégasque, on est toujours en mouvement. Vous voyez un petit peu cet échange encore entre Chevanton et Evra. Ouais, Chevanton qui reste à terre, Patrice Evra. Un petit peu compliqué. Il s'est un petit peu enfermé, ouais. Chevanton hors des limites du terrain, donc on peut continuer à jouer. Zokora. Il est plus fatigué Chevanton qu'autre chose. Il revient quand même sur le terrain. Et l'attaque des Verts rafraîchit avec l'entrée de Compan pour la sortie de Sitoni. Là, ça il a pris un coup dans sur la glotte. Chevanton. Il a attendu avant de sortir. Voilà, je sors, je salue monsieur Duhamel. Il est un petit peu provocateur. Dernier dégagement du match de Jérémy Jeannot. Lilian Compan devancé par Schillaci, tête de Elbuic. Encore Schillaci qui s'appuie sur Maicon. Ouais, ça c'est du métier de la part de Maicon. Fessi pour servir Gomis, c'est terminé, Monaco s'impose ici à Geoffroy Guichard, 1-0. Bon, on en est conscient, on sait qu'il faut progresser. On voit ce soir que la maturité a joué, donc on sait ce qu'il nous reste à faire maintenant. Il faut aussi conserver ce qu'a fait la force des Verts la saison dernière, c'est cet enthousiasme, cette volonté. C'est vrai qu'il faut le conserver, c'est quelque chose de majeur. Ça. L'état d'esprit à Saint-Etienne, c'est obligatoire. Maintenant, bon, ce soir on a perdu, mais je pense que c'est le premier match et le deuxième match, on sera déjà un peu mieux. Merci.